Cynthia. Je culpabilise. Le fric, c'est difficile, vous savez. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. Évidemment, je ne demanderai pas à être payée. Hein. Quand on possède des milliards, c'est pas un peu d'argent à la fin du mois. En revanche, je comprends très bien que pour un pauvre, un salaire régulier puisse être utile. Je suis très ouverte. Je peux comprendre aussi. En tout cas, je m'imagine très bien devant un petit bureau en acajou. Oh, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j'adore l'acajou. Et comme tenue de travail, un tailleur sobre. Oh, un vieux Chanel d'il y a 3 mois. Dans les tons roses, pour être assorti au bureau. Et une petite toque en hermine d'un blanc très discret. Pas d'exhibition, mais c'est pas faux. En tout cas, c'est le fait de vous en parler qui m'en donne conscience. Je me demande si en voulant éliminer mes états d'âme, je ne risque pas de prendre la place de quelqu'un qui travaille par besoin. Bon, parce qu'il faut voir les choses comme elles sont. Hein. Certaines personnes travaillent pour de l'argent. Ce qui entre nous a un côté très mesquin. Je sais bien que ça n'est pas votre cas. C'est bien que tout est fait en fait, je m'accorde. Ne vaudrait-il pas mieux éliminer cette idée gênante pour d'autres de prendre un emploi, quitte à supporter courageusement et en silence l'invisible fardeau de la fortune. En tout cas, moi je suis très contente d'avoir eu cette idée, parce que jusqu'à présent, j'étais oisive par indifférence de la vie, alors que maintenant, je continue à ne rien faire.